YouTube, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Wendy, on est sur le compte de Roger pour la première Summon Session du Wendy Summon Show de ce mercredi. Je crois que c'est la 6ème édition, on va aller sur le 9877. Il nous a réservé une grosse Summon, il a dit allez vas-y Wendy, je fais la place ce soir, sinon c'était pour la semaine prochaine. On veut, alors c'est qui? Gotham City. On va voir un petit peu ce qu'il nous a mis de côté. Nice. Franchement, nice le petit Batman. Enfin, je dis petit Batman, il prend quand même quasiment toute la taille de l'île. Ça, on peut dire GG, en tout cas, au paysagiste. I'm Batman. Il les a tous. La petite stèle d'invocation, elle est ici. On va regarder un petit peu ce qu'il nous a mis de côté. Alors, on a... on a 18 vélins légendaires. Derrière, apparemment, Batman, il aime bien les Dark and Light. Hein. Apparemment, les gars, Batman aime bien les Dark and Light. Il a 22 plus 5, presque 6, dommage. Mais plus 5, donc on a 27 Dark and Light. On a 13 eau, 19 feu, 11 vent, 612 Venom Mystique. On peut quand même regarder que le monsieur a 85 millions de mana. C'est un gros compte, on va voir cet homme. Ouais, il a des bons goûts. Moi, j'aime bien Batman, j'aime bien en fait l'univers de Batman parce que c'est un petit peu dark. On a vu qu'il avait ouvert son shop, donc celui-ci, il a déjà dû l'ouvrir aussi. Donc ça sert à rien d'aller derrière. On va regarder... je veux voir en fait où est son storage. Son storage, il est là, ok. On va voir un petit peu son compte. À l'heure actuelle, on a Cho, ok, Xiaolin, on a un Verdil, on a un Xingze qui a pris un buff dernièrement. On a une Charlotte, on a une Lanette qui est un ancien HOH, on a un Verad, on a un Covenant, on a un Skogul qui est là-dessus. Mais est-ce qu'il a autre chose dans le storage? J'ai envie de dire oui. Bien sûr que oui, il a autre chose en storage. Et regardez-moi ça, allez, c'est parti. Il y a du beau monde. Psamat, Chandra, Godou, my bad. Annabelle, derrière, on a une Camille. Donc, on a du Bruiseur un petit peu sur le compte. On a une Sekhmet, on a José, Ophélia. My bad. Joséphine, qu'est-ce que je dis? On a une Raki. Kumar, d'ailleurs, Raki, c'est le 5-nac qu'aimerait vraiment avoir chez Izu en ce moment. Juno, on a Kumar, on a Shiwu, on a Brandia, on a Ganymedator, le bon combo. Lagma, Ritesh, ouais, on a du beau monde. Est-ce qu'on a des choses dans les Dark and Light? Non, on n'a rien dans les Dark and Light. Peut-être dans les 4 étoiles? Nope. Donc, c'est Batman, mais on n'a pas encore énormément de luck sur les Dark and Light. Il a sauté Poseidon. Non, je l'ai vu Poseidon, t'inquiète pas. T'as déjà fait les invocations sur ton main compte? Non, on finira par mon mail. Donc on va lancer les paris sur Wiz. Pour ceux qui connaissent pas, vous allez pouvoir parier un certain nombre de Yandy, qui est la monnaie virtuelle du live, qui vous permet de participer à des giveaways. Les giveaways, bah, ça vous permet par exemple de récupérer, quand on sera à 225 subs, un pack Summoner's War, et après en fonction de l'ambiance, on peut lâcher des petites reviews, on peut lâcher des petites choses. Je vais essayer de repartir avec des petits cadeaux la semaine prochaine, la prochaine fois que je vais dans les studios Come to Us. Je vais essayer de récupérer un petit cadeau. Je sais pas si ça marchera, mais je vais essayer de voir si je peux pas récupérer genre une petite figurine. Une figurine Summoner's War ou un truc comme ça, ce serait ouf. Ça ferait grave plaisir. En tout cas, je vais en parler et je vais en discuter un petit peu avec eux. Donc, on va partir sur le tirage au sort. Donc, vous avez la possibilité de doubler vos Yandy. Donc, vous votez pour le nombre d'étincelles que vous pensez qu'il va avoir sur ce compte, pas le nombre de 5 nats. On a déjà au minimum 17-18 étincelles. Là, on espère 2 étincelles. 18 et 2, on sera à 20. 20, 22, enfin 21, 22, 23. 23 et 612. Pouah, 23 et 612, je sais pas. 600. Je sais pas, je suis en train de réfléchir. 23, 14, 14, ça ferait quoi? Ça ferait 28, 32. 32, 35, 35, 35 et 20. Ouais, 55 étincelles, je pense. On devrait être dans les alentours des 55 étincelles sur le compte. Honnêtement, ça en fait beaucoup. 87, ça me semble beaucoup. Mais c'est un énorme compte. Watch, il y en a qui parlent déjà de Roger. Ou moins. Au moins ça. On va dire bonjour à la guilde aussi. Et voilà. On ouvre les hostilités du Wendy Summon Show le mercredi. Vous savez, maintenant, ça devient un rendez-vous régulier. Hello. Ah, c'est gentil. C'est gentil, oulala. Faudrait recruter chez Izu. Lui. Allez, c'est parti.
C'est parti pour les summon sessions, c'est une grosse grosse summon, donc on va essayer de pas trop perdre de temps. La stèle d'invocation elle est ici, on est sur le 9877, on a la mana bien entendu pour pouvoir invoquer. Va juste falloir faire un petit peu de place de temps en temps, on a deux bénédictions aussi, on a deux bénédictions. Donc est-ce que tu m'as mis ta wishlist? Alors my bad, je n'ai peut-être pas vu la wishlist. Vu la summon et morn, il y aura un peu de full, je suis désolé, tu as des 3 nats avec des arcémon, 25 dans ce cage, un shaman. Ma wishlist, je veux des jumelles pour skill up, c'est tout. Ok, il est plutôt gentil. On va essayer du coup de lui avoir des jumelles. J'aimerais bien quand même lui avoir un petit 5 nat. Et s'il y a un petit 5 nat que t'aimerais bien, ce serait quoi? J'ai pas vu dans tes demandes. Attendez, je vais retirer mon tapis de souris. Parce que là va falloir aller vite pour la summon. Hop. Sinon on va se faire chier. Parce qu'avec mon tapis de souris, ma souris elle glisse pas. Je call Joséphine. Joséphine. Ok, ouais, Joséphine, ce serait pas mal. Paladin haut, c'est cool. On l'a pas vu. Ouais, c'est trop rapide pour moi maintenant. Frère, j'ai tellement pas l'habitude d'avoir une souris qui glisse bien. J'aimerais Feignang et Velajuel. Ok. Velajuel, je suis surpris. Honnêtement, à l'heure actuelle, c'est peut-être plus pour le personnage. Je trouve que Velajuel, il est moins intéressant. Tu vois, je préfère Loussa à Velajuel, par exemple. Et une petite Bastet. Ah, petite Bastet, je suis d'accord. Feignang, Velajuel, Bastet, ça me va. Et on commence par un Antares. Non, c'est un Foucault. Ok, nice. Ça fera du skill up pour Antares. Je sais pas si tu l'as monté pour l'instant. À quand les invoques x10 sur les VM aussi? Non, ça ferait chier. C'est partie du charme aussi des grosses summon sessions. Allez, papa, pour la première summon session, c'est Roger. Et on veut de la Bastet, on veut du Feignang, on voudrait du Villageuel aussi. Et beaucoup de jumelles pour du skill up. Allez, deuxième étincelle, elle est là. Je colle Ragdo. Tu colles Ragdoll, Viva, Arta. Rien que ça, Troll Twitch. Ok, un petit Garou, ça c'est nice, c'est très très bon. Je pense que ton Garou, il doit être monté, je sais pas s'il est full skill. En tout cas, t'as peut-être pas encore... C'est quoi déjà le chat? On est sur 9877. Peut-être que pour l'instant, tu n'as pas up ton Susano. Par exemple, à 100% en termes de skill up, donc ça c'est cool. Si t'as la flemme, comme moi, de faire les fusions... Troisième étincelle, c'est quoi, c'est poussiéreux? Non, c'est Ludo. Ludo, c'est cool. Le mien, il est 6 star, il a 0 rune, je l'ai jamais joué. En fait, je me suis fait tellement bolosser par des Ludo en siège battle, je me suis dit, allez, je vais monter un Ludo. Et quand j'ai monté mon Ludo, j'ai tombé trop de 5 nats, et du coup, bah, je l'ai totalement oublié ce moment. Avec tous les vélins Light and Dark, mais en vrai, avec tous les vélins Light and Dark qu'on a, on a deux étincelles. Parce que c'est une étincelle pour 14 vélins Dark and Light, en moyenne. Donc on aimerait bien voir ça. J'ai call Vivachel. Oh, s'il vous plaît, sur mon compte, Vivachel. Enfin, Celia, Vivachel, Artaniel, Ragdoll, les 4 seront sur mon compte ce soir. 4-5 mois d'économie. Si c'est 4-5 mois d'économie, je pense que c'est en free to play. Moi je mets à peu près 150 invoques par mois en free to play. En plus on a eu beaucoup d'events avec l'anniversaire. Ok, quatrième étincelle. Oh, on a un back-to-back légendaire. Non. Encore un Ludo. Encore un Ludo derrière. Est-ce qu'on va réussir à faire un back-to-back-to-back? Non. Juste 3. C'est pas mal, en tout cas en termes d'étincelles. Pour l'instant, on est à 5 étincelles. C'est plus qu'ok. On aimerait bien continuer au moins sur ce rythme d'étincelles, voire passer encore un petit peu au-dessus. Et du 5 nat. Hein. Là, on a un compte à avoir 2 5 nat minimum, voire 3, parce qu'on a beaucoup de légendaires. C'est vrai que t'as quand même beaucoup de légendaires, par contre. Bah si, il est vélin légendaire. Allez. Pour qu'il réalise ta summon, tu es passé par les DM Twitter. Il est passé par un DM Twitter, mais sinon c'est sur DM Discord, ou l'un ou l'autre. Allez, 6 étincelles. Pour l'instant c'est nice. 6 étincelles en une cinquantaine de vélins. Je vais pas faire les Light and Dark. Non, les bénés ne fonctionnent pas sur les Light and Dark. Sinon ce serait cheaté. Je vais manger les amis, je reviens. Ok, bon app. Une étincelle sur 14 vélins, ne dis surtout pas cela à Mana, il va se fâcher. Bah n'empêche que c'est la réalité hein. Et puis faut pas faire gaffe forcément aux summon sessions que l'on met sur YouTube les gens. Comprenez que c'est une infime partie. Enfin c'est pas une infime partie, mais c'est, ça représente pas la moitié des summons qu'on fait en fait, qu'on met sur YouTube. Donc surtout sur des personnes qui invoquent beaucoup. Genre un June, je pense qu'il doit peut-être mettre un cinquième, un septième peut-être des summons. Mana peut-être un petit peu plus. Moi je mets une moitié en gros des summons que je fais.
J'ai eu 2-5 nat hier en 11v1. Ouais, mais après peut-être que t'en récupéreras pas pendant, pendant 400 invocations. Ok, une petite succube. Alors la dernière fois, on a eu le bail de succube suivi d'un 5 nat. Est-ce que ça va être le cas? Salut Mr. Barbe, salut Cops, comment vas-tu? Ça roule et toi? Ah, est-ce que c'est le 5 nat? Succube Indu 5 nat? Non! C'est joueuse de harpe vent, c'est Triana, c'est très bon. Je sais pas si t'as fini de les skill up. Là on est pas mal en termes d'étincelles. J'aimerais bien maintenant avoir les 5 nat. Histoire tu vois de souffler un petit peu. Summon mini combien? 100? Non, 50. 50 en mini Dark Team. Mais on les fait à la volée. Ça va tranquillou, plage avec les gosses, donc crevant mais kiffant. Oh, c'est cool ça. Après ça qui fait chaud. Hein. Donc avec les gosses. Tu stream jusqu'à quelle heure? Oh, jusqu'à un 23-23-30 je pense. Tant que le ventilateur il est up. Je pense qu'il sera vivant encore après moi, le ventilateur. Allez, 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 le 5 nat. Non, c'est Tiron. Ok, petit Tiron. On l'appelait le Vérat du pauvre. Ta 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 ta. Alors, en plus, on a deux bénédictions. Tout va bien à la maison sinon? Ouais, tout roule. Juste la chaleur, comme tout le monde, je pense. Peut-être qu'il fait quand même un peu moins chaud chez toi. Quoique t'es encore un petit peu dans le sud-Bretagne, toi. Il fait encore assez chaud dans le sud-Bretagne. C'est pas comme si t'étais dans le nord-Bretagne, où là il fait très très bon. Coucou tout le monde, j'ai raté quoi? Pour l'instant, rien, c'est la première semaine de session. Ou juste des étincelles. Pas encore de jumelles. D'ailleurs, il m'a passé commande pour des jumelles. Allez, on va faire de la place. Oh, il est où ce qui vient d'obtenir une Lumiressia en fake 5 nat. Pouf. Moi c'est plutôt un truc pour pouvoir tout sélectionner qui je trouve qui manque. Au lieu plutôt que des VM x10. VM x10 je trouve ça chiant. Mais là réellement je vous dis que ce qui manque c'est. Ce qui manque c'est plutôt un truc pour pouvoir tout sélectionner. Genre tous les 3 étoiles niveau 1, tu peux régler le truc et tu sélectionnes tout d'un seul coup. Ça ce serait dingue. Ouais on a 20 minutes avec Quimper, il fait quand même super chaud. Ah mais Quimper c'est. Enfin, après, t'as quand même pas mal d'endroits en France où il faisait 41 aujourd'hui, quoi. Sinon, je pense qu'il fait chaud partout. Bonne chance, moi j'assomme Rika. Oh, GG. Et Rakan. J'avoue que si j'ai... Quand t'as rien l'un sur l'autre... moi, je trouve que Rika... quand t'as Rika, Rakan, tu t'investis d'abord sur Rika aussi. Je la trouve trop forte. Vivement un buff. 32 dans mon salon, on est bien. Ah oh, purée. Moi j'ai 26. Ok, un petit fake, 4 étoiles. Allez, l'étincelle, la 10ème. Je crois. Ok, c'est une Ondine O. Petite Ondine O. C'est Miken, c'est un monstre fusion. Je crois pour Veromos. C'est bien là, 10 étincelles. On n'a pas fait 120 vélins mystiques. Allez, un petit cuivre. Allez, maintenant on veut des jumelles. On veut des jumelles, voilà. C'est jumelles ou un 5 nat. C'est Jean. Ça commence par la même lettre que les jumelles, en vrai. Ça peut porter à confusion. J'avoue que Jean-Michel, il peut se gourer un petit peu dans ses choix. Il est un peu perdu. Un petit peu perdu, le Jean-Mich. Allez, la 12ème, elle est là. C'est pareil. C'est encore un voleur fantôme. Donc il pensait à Jean qui suivait les jumelles. Les gens mêlent. C'est ça, c'est gens mêlent. C'est les gens mêlent. Aïe, aïe, aïe. Puis Lueur, il est quand même de la même famille, enfin le même élément que Sabrina et Talia, donc ça marche un petit peu quand même avec les jumelles. Yo, Sabri, comment vas-tu? J'ai ouvert un vélin, j'ai eu moins de bestial haut comme premier 5 nat, on est early, je sais pas quoi en faire. Honnêtement, en early, je sais pas s'il va vraiment t'aider en PvE. En PvP, GVG, en GVG surtout, il est très fort. En dev GVG et en offense GVG et en siège battle. Allez, 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 13ème étincelle. Non, c'est un petit Bruni. Petit Bruni magicien. Le roi des magiciens. Jean Bell. Ah, ils sont tous nuls les voleurs fantômes. Lueur, le haut est le plus intéressant des trois, je trouve. Jean, ça reste un bon DPS. En Europe, il est pas trop joué.
En Asie, il a un peu joué en GVG. Ou en siège battle. Mais c'est tout. Allez, hop, une petite fake Megan. C'est que le deuxième fake pour l'instant, donc ça va. Draco HOH. Ouais, il c'est un ancien HOH. Mais ils sont tous jouables en fait, je trouve, les bonnies magiciens. C'est pas les meilleurs dans le rôle dans lequel ils ont, mais ça reste des bons monstres. Ok, une petite Chloé. Ça, ça se joue, Chloé, en siège battle. Tu fais une Chloé très rapide avec un bomber. Chloé, enfin une Megan rapide, Chloé un bomber par exemple, genre un Malaka. Et ça permet de passer pas mal de défense en siège battle. Je trouve que c'est un petit peu le dernier rôle qu'on peut lui trouver à l'heure actuelle de Chloé. Elle mériterait un petit buff, Chloé. Mais ils buffent rarement les 4 étoiles, je trouve. Ils ont souvent quand même plutôt tendance à rééquilibrer déjà les 5 nats. Allez, 14 étincelles, là il faut que ça continue. Bien quand même, c'est pas mal de récupérer encore quelques petites étincelles. Olivine. Allez, un petit back-to-back, ce serait cool. On en a eu un tout à l'heure. Allez, on va rentrer dans les derniers, dans le dernier cara des 200 premiers VM. J'ai eu Joséphine à mon VL, mais il faut full skill up pour que ce soit job. Elle en a eu un récemment. De quoi, un buff, Chloé? Non. Tu penses quoi de Belenius, druide feu? J'aime beaucoup. Je trouve que les druides sont bien. Allez, la 15ème étincelle, est-ce que c'est la bonne? Non, pas encore. C'est quoi, c'est Verdé? Non. C'est Liesel. Attendez, ça n'a pas gêné les patrons de nous faire commencer en septembre. Il faisait pas aussi chaud. C'est pas mal quand même. Juste le dernier jour, on a commencé très tôt. Ouais. Bon, après, ça, c'est des trucs d'une année à une autre, tous les choses changent. Ouais, sur le 3, moins de cooldown. Sur Chloé? Ouais, bah, je sais pas. En vrai, est-ce que c'est suffisant? Ça change. En soi, pour moi, sur Chloé, ça change rien. Parce que Chloé, le but c'est juste que son 3, elle le fasse d'un seul coup. Mais pas avec le skill up, je crois qu'avec le skill up ça revenait à la même chose, non? Peut-être, je sais pas. J'ai peut-être halluciné. Mais c'est ce que j'avais dit, je crois, dans le patch note, ça me dit quelque chose finalement maintenant, vous le dites. Et je disais que Chloé ça a pas changé grand chose parce que Chloé, tout ce que t'as envie c'est de prendre le first turn. Ok. Nastar. Ah, le back to back. Back to back. C'est un Orochi. Il faudrait que les runs durent pour que ce soit intéressant. Allez, 18 étincelles, je crois. Ça commence à devenir correct. Allez, allez, on continue. On lâche pas. On va bientôt devoir faire de la place. On espère avoir au moins 3-5 nats sur les valeurs mystiques. Ce serait juste. Et des jumelles pour les skill-ups, s'il vous plaît. Des jujus. Des twins. Pas des jambelles. Oh, va plus vite, va... Wow. Là, tu prends déjà un ban. Et tu peux me faire un ban définitif si tu veux, Drana. Non, je t'ai mort, mec. C'est rare que je m'en occupe moi-même, hein, pour vous dire. C'est rare que je m'en occupe moi-même. Excuse-moi, mec, si t'as pas le temps, va t'occuper de ta famille. C'est le genre de mec qui, en 3 coups, a fini son truc, c'est ça? Putain. Mais faut... Franchement, faut être un connard pour parler comme ça aux gens. Aïe, aïe, aïe. Hop, ça c'est fait. Oh bah oui. Ça c'est un mode réactif. Bah moi, je m'en suis occupé tout de suite. Hein. J'ai pas le temps de voir les mobs. Non, ça c'est par contre c'est pas possible les gars. Je comprends pas ces consommateurs de Summon Session en mode... moi tout ce qui m'intéresse c'est d'aller voir les gens qui ont mis sur le chat YouTube... tiens, un 5 nat à telle minute, un 5 nat à telle minute. Ah d'accord, j'ai vu les 3 5 nat, vas-y, je me barre. Allez, ça c'est une belle étincelle. Allez, le petit galion.
En plus, on est hyper chill ici, on est cool. Comment tu rerolls sur les lunes? Je vous en ai fait une vidéo, LD. Qui est sortie en fin d'après-midi. Aïe aïe aïe, la One Dictature. Allez, on le veut, ce légendaire là. Ce 5 nat. Oh, ce 5 nat légendaire, on le veut. On veut que ça rentre dans la légende, on veut le Feng Yang. On veut pas un doublon quoi, on veut justement la légende du légende. Y'a des guilds sur Illune, ouais, y'a des guilds sur Illune. Allez, allez, allez. Ah, il veut pas. Il veut pas pop. Allez, allez, on arrive dans les 200. Vélin mystique. Allez, on a fait la première rotation de 200 vélin mystique. LD, faut supprimer le compte. Ouais, faut supprimer le compte dans la partie paramètres. Mais par contre, tu ne peux pas remettre deux fois le même pseudo. Et ça, c'est la partie ennuyeuse. Parce que là, je sais plus quoi mettre comme pseudo. Combien de vélin de base? On avait 600 vélin mystique. Et merci pour le nouveau sub, Roger. Ah, Roger qui est en train d'invoquer. Ah, regardez là. Roger, là, il est en mode... Bon, les gars, on laisse rien passer, là. C'est comme ça que ça se passe. Là, il se dit, c'est bon, je suis sub. Je vais avoir un 5 nat. Voire plus d'un 5 nat. Allez. Allez. Le sub. Pas du tout. Pas du tout. Le sub récompensé sur cette étincelle. Pourquoi, pour le stream, tu fais pas un montage avec juste les étincelles? Bah en fait j'y pensais. Allez, une étincelle de plus. Ah, une Rakshasa. Pas une Twins hein. Pas une Twins pour l'instant. J'ai eu Reva, Freya, Kangrim sur une GG mec. Honnêtement tu te mets bien. Il te manquerait un petit Baldur's. Embêtant. Toujours pas. Ça reste quand même beaucoup d'étincelles hein. On compte sur toi Wendy. Ah bah moi aussi j'y compte. Allez, j'ai envie de le régaler. La petite régalade. Allez. Excuse-moi, excuse-moi, j'ai cliqué à côté du skip. Du coup, si t'es encore là, bah je m'en excuse. J'ai pas été assez rapide. J'ai cliqué à côté du skip. Je suis de retour si jamais. Ok, Fracanus. Allez, un petit fake 4 nat. Un deuxième petit fake 4 nat. Ah, l'étincelle qui arrive juste derrière. C'est quoi, c'est Julie? C'est Julie. Toujours pas de jumelles. Aïe aïe aïe. Là ça commence à... Ça commence à être triste. On a beaucoup d'étincelles, mais ça commence à être triste parce qu'on n'a pas encore le 5 nat. On n'a pas eu beaucoup beaucoup de 4 nat encore. Allez, l'étincelle, la 25ème. Pour l'instant pas de 5 nat. Beaucoup. Enfin beaucoup d'étincelles. On a des bonnes étincelles. On a un quota d'étincelles qui est, je pense, un poil au-dessus de la moyenne. Mais pas encore le truc. Tu vois, par exemple, moi j'avais annoncé 55 étincelles sur la Summon, sachant qu'on a 18 légendaires. Dur pour lui. Pour l'instant, ouais, ça pourrait être un petit peu mieux. Après, les premiers étaient pas mal, les premiers Katna, des Triana, des Garou, des Orochi et tout, c'était pas mal ça. Bonsoir les boys, salut tout le monde. Allez, on y croit jusqu'au bout, les gars. Allez, je veux de l'énergie, je veux de l'énergie, je veux des Jean-Michel. Wouah, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints, on est 340. C'est quand même dingue, à chaque fois qu'on commence les Summon, on récupère plus de 100 personnes. C'est presque un an d'attente, 6 mois. 6 mois, en fait, quand t'es dans le late game, tu fais à peu près 100 à 150 vélins mystiques par mois. Enfin, 100 à 150 invoques par mois. Parce que t'as plus besoin de monter les bâtiments de guard, donc déjà chaque semaine en GVG, tu récupères les 3 vélins mystiques normaux. Et 6 élémentaires. Donc déjà tu fais 9 vélins mystiques là dessus. En arène tu vas en récupérer au minimum 2. Donc tu vois t'es déjà t'es déjà rendu à 6 à 8 par semaine. Plus le TOA, TOA hard, les cristaux, plus les events. On a eu quand même beaucoup de récompenses sur les events anniversaires de Summoner's War. En même temps les Summoners c'est genre archi addictif. Oui. Alors à mon avis ça part directement sur le druide. Druide, c'est Abelio. Je suis pas forcément le grand fan d'Abelio. Il est bien, mieux que Ariel, ça c'est sûr. Je préfère 5 fois un Ariel. Je crois que t'avais déjà à tort de toute façon, donc la question va pas se poser. Mais c'est vrai que
Ah, ça aurait été un empereur de la foudre. Un bolverk, ça aurait été encore au-dessus. Le druide Wendy, j'ai déjà tort. Ok, c'est bien ce que je pensais. Ok, donc on a le premier 5 nat. J'espère qu'on aura mieux sur les prochains. Moi, j'ai Ariel. Bah, moi, j'ai Ariel, je te jure. Abelio est fort, en vrai. Abelio, c'est fort. Mais ça reste un monstre un peu passif. Ça reste un petit peu passif à mon goût. Ah, on a oublié de mettre le GG moi sur le 9877. Bah, vous pouvez mettre des GG moi si vous voulez sur le 9877. Non, il faut qu'on continue le GG moi. Parce que bientôt, ça deviendra un truc qu'on mettra, on aura notre emote GG moi. Et on fera des t-shirts GG moi. GG toi. Ça deviendra un truc. En espérant qu'il n'y a pas un faux Roger qui cherche à foutre la merde cette fois-ci. C'est vrai que la semaine dernière, on avait un gars qui se faisait passer pour un autre en mode bah non, mais en fait, prends-moi l'autre sur la bénédiction. Là, t'étais en mode triste. Bon, premier 5 nat. Qu'est-ce que t'en penses, Roger, du premier 5 nat? Content? Pas content? Est-ce que tu le connais un petit peu? Est-ce que tu sais ce que tu vas en faire? Je trouve que c'est un Ariel avec un niveau supérieur, personnellement, pour moi. Ça me fait chier parce que mon Ariel, il est quand même assez beau en termes de runage. Et aujourd'hui, je m'en sers quasiment plus, quoi. Je m'en sers de temps en temps en siège battle, en mode YOLO. Après l'entreprise, GG moi. Il y a une entreprise qui s'appelle GG moi? Non. Ça se trouve, ça existe déjà. C'est très bien, Wendy. Merci. Oh, oh, le sac nat. Non. C'est un Raku. C'est un petit... Non, c'est un Arg. Presque pareil. Petit Rakuni. Petit Arg, plutôt. Ok. C'est... Covenant. Non, c'est Sniper MK1. Ok, nice. Et merci, Ezek, c'est la fête. Merci pour le sub. Allez, les gars, merci pour tous ceux qui sub. Pas mal d'étincelles, là, c'est cool. Faut que ça continue comme ça. Un petit fake bulldozer. Derrière l'étincelle. Allez, 333 vélins mystiques. On a encore une bénédiction à faire pop. Et je pense qu'on n'en aura pas assez de bénédictions. C'est tout mal que je te souhaite. J'ai bien une entreprise qui s'appelle Mort de Rire dans ma ville. Ah ouais. Il y a des gens quand même qui n'ont aucun scrupule. Genre XPTDR. Salut Nekop, comment vas-tu? Si, le skip s'affiche. Maintenant, il s'affiche, le skip, pour les étincelles. Il y a par contre la différence, je sais pas si ça a été patché. Mais au tout début où ils ont patché le truc du skip sur les bénédictions, il y avait une étincelle, un flash d'étincelle en plus. Donc on pouvait call le 5 nat avant même que l'écran de bénédiction arrive. Ouais, j'ai invoqué sur mon compte en dernier, les gars. En plus, on a une summon qui est correcte. Moi, j'attends pas 6 mois, donc pas le temps. Pas le temps de niaiser. Mais on a quand même du légendaire. Et si on invoque sur les summon sessions, avant la mienne, 5 nat en tout, je me prends un pack. Allez, 311 vélins mystiques. Allez, les étincelles, ce serait bien que ça revienne, par contre. Ça fait quelques invocations d'appeler d'étincelles. Alors qu'on est sur un compte avec pas mal d'étincelles. Quand je vous dis qu'en tout, j'avais call 55. Et que là, on est rendu à la moitié des vélins. Et on est rendu à 29 étincelles. Autant vous dire quand même que pour l'instant, la summon, elle est belle. Elle est belle en termes d'étincelles. Un petit Wayne. En vrai, 55, c'était un peu faible. Est-ce que j'ai vraiment call 55? Peut-être 65? 65? Wendy, j'ai réussi à gagner 600 cristaux sans refill. Je suis trop fort. Wow! Quel homme! Orif, tu drop beaucoup de VM. Pas plus que ça. T'en drop un petit peu comme partout, comme au Dojon de Kairos. Je pense que le pourcentage doit être plus ou moins le même. Ou même si c'est pas exactement le même, ça se joue tellement à des tout petits détails que tu vois pas sensiblement la différence. Ouh, j'ai failli skip. J'étais en train de me dire, oh, j'ai skip un 5 nat. Non, c'était un Liebli. Un Liebli que dalle, un Cyan. Genre, le gars qui skip un Liebli sur un vélin élémentaire. Bravo, Andy. T'es dans le futur. Salut Over, comment vas-tu? Je drop 4 Trevor sur mes 5 légendaires, je suis early. Bah go le skill up hein. Et le jouer hein. Allez. Non, petit chihuahua.
Toujours pas de jumelles par contre, ça c'est chiant. Vaut mieux privilégier le nom d'étincelle ou la qualité des monstres? Les deux. En fait, faut prendre les deux. Faut prendre tout ce qu'on t'offre. Le nom d'étincelle est très très cool parce que ça te permet de faire beaucoup de skill up et aussi monter plein de monstres. Après, c'est chiant. Tu fais du refill shop ce soir? Non. Non, non, je fais pas de refill shop. Je vais acheter... Là, je suis descendu à 6000 et quelques cristaux sur mon main. Je vais acheter quelques packs. Et si on a fait 5-5 nats, comme on a dit, sur les summon sessions avant la mienne, on achètera le pack à 110 balles. Je prendrai une promo avec les Amazon Coins et donc je m'achèterai le truc. À quand avec la légendaire Dark and Light? Je pense jamais. Enfin, on peut dire ça, peut-être que ça viendra, mais... Ok, encore une Triana. Mais j'espère pas. J'espère pas. En vrai, ils auraient tort de le faire, je pense, quand tu vois qu'il y a des gros joueurs qui aujourd'hui achètent full cristaux pour pouvoir refill shop, pour acheter des parties de Dark and Light, pour essayer d'avoir un maximum de Dark and Light 5 nats. Je pense que pour eux, ça serait se priver quand même de pas mal de thunes, en tout cas en termes de refill de shop pour les très très gros cash players. Après, pourquoi pas sur un pack à Noël. Après, ça garantit pas le 5 nat, hein, ça garantit pas le 5 nat, mais... Ils refill le Wish, les gros joueurs. Pas forcément Wish. Shop aussi. Les deux, ils font. Shop, en fait, l'avantage, c'est qu'il y a pas mal de très très gros joueurs qui farment même plus qu'Heroes et qui récupèrent leurs runes avec, avec ça, en fait. Une pluie d'étincelles, quand même. Pour l'instant, 33 étincelles en 330 VM... C'est mieux que ce que ça doit être parce que du coup on fait une étincelle toutes les 10 invoques. Alors normalement c'est censé être toutes les 12. Donc vous allez me dire c'est pas énorme, mais c'est quand même un sixième d'étincelle en plus. Enfin même plus, un cinquième d'étincelle en plus. Donc sur 33, ça fait quand même quelques étincelles en plus. Ça fait 6 étincelles en plus quoi. Ok, un Covenant. Cette fois-ci, tout à l'heure on avait eu le MK1 vent. Personne ne se souvient de son nom. En tout cas, moi, non. Allez, je vais vite, les gars. Hein. Je fais mon mieux pour être rapide. Hein. Allez, un petit Inu. Non, c'est pas ça. Un petit Zephicus qui est en fake. Oh, l'étincelle derrière le fake. Le 5 nat. Non, c'est Clara. Clara, pierre et de feu. Pas une Twins. Pas une petite Twinette pour l'instant. Pas de Talia, pas de Sabrina, pas de Shaun, pas de Chyna, pas de Maruna. Oh, 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 oh. Allez, non. C'est quoi? C'est Reno cette fois-ci. On a déjà eu deux Ludo. Rep, Enteral. Allez, prêt tes piquions. Oh là là, comment. Il y a des gens, ils sont en mode, je suis le premier à donner le nombre d'étincelles. C'est moi qui ai la meilleure connexion. Allez, 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 allez. Ouf, j'ai skip une étincelle. Sylphide, Akassis, qu'on a déjà eu tout à l'heure. Ouais, non, c'était sur mon reroll. C'était sur mon reroll, là, Akassis. My bad. On a eu Jean et Reno. Ouais, bah ça, c'est... Sur des humans à 600, ça arrive. Allez, 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 on veut des back-to-back avec des 5 nats. Oh, un back-to-back, 2 5 nats à la suite, sur 2 VM. Je sais pas si ça m'est déjà arrivé. Je pense pas. 2 à la suite. Sur des vélins légendaires, ça m'est déjà arrivé. Sur des vélins mystiques, je pense pas que ça me soit déjà arrivé, les gars. Allez, allez, on aimerait bien récupérer un peu d'étincelle. Voilà, voilà, suffisait de demander. Un petit Fedora. Ou un Borsalino. Ouais, presque un back-to-back. Un Taoïs devant. Pas forcément ce que tu veux, j'imagine. Allez, allez, par contre, là, il nous manque un 5 nat, là. Et un deuxième 5 nat dans les mains mystiques. Pour l'instant, ouais. Là, on veut le deuxième 5 nat, s'il vous plaît. Allez, prochaine étincelle, c'est 5 nat. D'ailleurs, il n'y a pas eu trop de pronostics là sur les vélins mystiques, hein, sur les 5 nat. Taoïst. 215 vélins mystiques. Ah, il nous reste un tout petit peu d'invocation avant de faire de la place. Peut-être là le 5 nat. Non, c'est un Ryan. Peut-être sur la dernière. Pas sur la dernière. Ok, pour l'instant.
Pour l'instant, on a fait 400 vélins mystiques et on a eu qu'un seul 5 nats. J'espère que les deux autres vont suivre assez rapidement, voire sur les Dark and Light. Normalement, on a un compte qu'on pourrait avoir là sur une si bonne session. 3 voire 4 5 nats. Donc on aimerait bien avoir quelque chose. Pirette, ça vaut quoi? Je suis nouveau, merci. Ça dépend de quel élément. Là-haut est bien. Les autres sont un peu moins fortes. Dans les élémentaires, bien entendu. Ouf. On va refaire de la place quand même, les gars. On va refaire de la place. On va récupérer les foods, du coup, qui m'a dit. On a des foods 3 étoiles. On va les récupérer au cas où. Est-ce qu'ils sont là, ces foods 3 étoiles? Ok, il a du foot 3 étoiles ici. Hop, hop, hop. On va déjà récupérer ça. Ça nous permettra, sur la prochaine fois où on doit faire de la place. T'as un ticket, Wendy? Comment ça, j'ai un ticket, Wendy? T'es trop beau, Wendy. Ah, merci, Curzy. En vrai, je pense que t'es pas mal non plus. Tu serais encore un petit peu mieux si t'étais sub. Tu peux foutre des 3 nats sur mon druide. Oh, Wendy, ça ira plus vite pour faire de la place. Oh, t'inquiète pas, je pense que ça va encore. Chevalier de la mort, ok. Brillant. Je préfère encore, tu vois, te faire des Arcémones que te foutre ça, des 3 étoiles. Parce que pff, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Aujourd'hui, tu vas avoir un double XP et tu montes 6 étoiles en 2 secondes. Encore un samouraï. 42e étincelle. 42 étincelles en 400 vélins. C'est bien en termes d'étincelles, dont un 5 nat. Mais on voudrait avoir du 5 nat là. Allez, allez. Le maître qui incite le sub, bah, bien entendu, Rolwyn, à un moment, comment tu veux que la One Dictature y tourne? Si j'avais pas enrôlé les premières personnes en leur disant « Grâce à moi, vous aurez beaucoup plus de 5 nats », les gens viendront pas. Les gens viendront, ça aurait jamais fonctionné. Jamais. Petite pierrette, encore une fois, toujours pas de jumelles. Allez, le Feng Yang qui va tomber. Kali, c'est pas Feng Yang. Harpy, c'est pas Feng Yang. Chasseur de bêtes, c'est pas Feng Yang. Wouah, il est où Feng Yang? No pub, no fake. Depuis que je suis sub à la chaîne, j'ai eu 2 5 nats Dark and Light dans mes vélas. C'est vrai, Pichoud. C'est vrai, c'est vrai. On dit Sardoche quand tu bannes Perna, les gens. Voilà, ça m'est arrivé une seule fois, Totor. En vrai, je pense qu'à l'heure actuelle sur la chaîne, il doit avoir en 2 ans 5 personnes qui ont été permaban. Entre des gens qui m'insultaient sur Summoner's War et qui sont venus ici en mode un peu trop lolo. Et des gens... Wow! Odin! Mec, je crois pas avoir vu Odin sur ton compte. Sekhmet, je sais que tu l'as. J'espère juste que tu n'as pas Odin. Parce que Odin, c'est ouf. Hein. C'est vraiment oufissime. On se souvient du GVG d'IA où je me suis fait claquer un 42k là. Genre aise. Empereur des food, j'ai déjà Sekhmet. Nice! Bah honnêtement, si t'as pas Odin, tu as kiffé. Alors, est-ce que dans le chat on avait des colos Odin? Odin, regardez. Il y a toujours des gens comme ça sur les chats. GG toi. On est en train de lancer un mème. On est en train de lancer un truc là. Odin c'est OP. Ouais c'est vraiment OP. Donc là c'est bien, on a récupéré notre deuxième 5 nat. Il nous en manque un troisième sur les vélins mystiques. Pour être dans les statistiques. Nice. GG plus que 3 RH pack. Ah c'est vrai Overflow. Évite de le dire trop fort hein, s'il te plaît. Il voulait basse-tête mais c'est ses deux sœurs qui tombent pas de bol. C'est vrai qu'il voulait basse-tête. Et pour l'instant, on a eu Hathor Sekhmet, il a déjà Hathor et Sekhmet. En vrai, faut que j'arrête de dire en vrai, mais Sekhmet, je la trouve pas dingue. Je la trouve pas dingue, Sekhmet. Hein. Il n'a plus de béné, non, il n'a plus de béné. Pas grave, ce sera pour Feng Yang basse-tête. Là par contre elle a été bénéfique cette bénédiction. Parce que sinon on tombait Sekhmet et Sekhmet il l'avait déjà. Il faut le Feng Yang, ce serait cool.
Go faire une béné Odin. Jamais. J'aimerais vraiment ce soir choper par exemple un Odin sur mon main. Odin, Syrah, Diana, Hathor. Oh non! Est-ce que tu l'avais? Oh, faut que j'aille voir. Oh, j'espère que tu l'avais pas. Mais what? Yes, tu l'avais pas. Mec, t'as gagné Hathor Okeanos. T'es le roi de la RTA en contrôle là. GG moua. GG, nice. J'avais dit, il faut sub, cet homme est magique. C'est vrai, regardez, le sub, 3-5 nat. Avant le sub, 0-5 nat. Moi, je pense qu'il y a une logique dans les choses. Oh, encore un? Encore un? Non, presque. Presque. Wow, les étincelles qui sont là. Bon, bah, plus que 2. Plus que 5 nat, c'est vrai. Et le rage pack. Ok, ok, j'aurais peut-être dû monter un petit peu plus là-bas, mais il n'y avait pas grand monde qui voulait summon, donc je me suis dit, allez, ça peut-être inciter à des personnes à vouloir summon. Allez, on a encore une étincelle là-dessus. Par contre, on n'a plus le compte des étincelles, les gars. Ah, il l'avait déjà? Ah non! C'est vrai, j'ai fait... Il y a déjà Okeanos. Ah merde. Oh. Je le fous pour une béné du coup. Ah mince. Je suis triste. Ah. Merde. Double Wendy, tu peux faire une béné. Ok. Ah, je suis deg, mec. Je suis désolé. Enfin, j'y suis en soi pour pas grand chose, mais... Mais fais chier. Ah non! Je suis aveugle de ouf! À chaque fois! Oups, merde, j'ai cliqué sur Odin! Dur! Au pire des cas, on pourra encore en faire une autre derrière. Après, sur un compte late game, il est normal de faire de la béné. Après, on a quand même aussi les runes. Hein. Les runes, c'est cool. Il a pas fermé drag. Wendy Blind, oh Scream, c'est bon, voilà. C'est pas bien ce que j'ai fait. Ah, oh, je me suis enjaillé pour rien. Je me suis enjaillé pour rien, merde. Allez, on veut un nouveau 5 nat là, du coup. Ryan qui tombe. Je sais pas, ça doit être la 47ème ou 48ème étincelle, ça. 48ème. Ouais, on t'a vu, Scream, on t'a vu. Fais pas le malinois, là. Un ban, c'est vite arrivé sur la chaîne. Vous sentez la tension qui est redescendue, enfin, qui est remontée, mais en mode, je suis triste. Ah non. J'aime pas choper des doublons, malgré qu'aujourd'hui, on a les bénédictions, donc c'est un petit peu mieux. Ah, ouais. On aurait eu quoi dans cette bénédiction si on avait eu Okeanos quelque chose? Peut-être une basse tête? Ban qui? Non, on va pas ban. Sinon, c'est Scream. Je balance comme ça. En vrai, en plus, Scream, vu qu'on le voit quasiment plus sur les lives, il est même pas VIP. Il aurait pu être VIP en vrai. Large. Il avait le potentiel un jour de devenir VIP. Et puis après, il a arrêté de venir. Ouais, une dictature, ok, je comprends mieux. Ah bah oui, c'est pas que pour le plaisir. Allez, encore un 5 nat. Ouais, on peut le faire, là. Surtout qu'on a beaucoup de légendaires. Enfin, on. Il a beaucoup de légendaires. Moi, j'ai que dalle. Parce que là, c'est pas sur mon compte. Allez. 136 vélins mystiques. 3 5 nat. Dont 2 non-doublons. 1 doublon. Et en tout, 38 étincelles, je crois. La 39ème, celle-ci, Soa. Par contre, on n'a pas eu de jumelles. C'est un peu triste là quand même pour le skill up sur ton compte. K à 49ème, my bad, je pensais que si on était 10 en dessous. Bah là, on est bien déjà en termes d'invocation. Un petit 5 nat en plus, allez quoi.
Si on fait les 5 synchronades sur ce compte, c'est cheaté. C'est cheaté. Ah oui, c'est sûr et certain, je vais payer moi. Ce soir, je vais payer mon pack à 110 balles. Bon, la fin de la vidéo, je dirai pourquoi je suis plus trop là. Non, mais t'inquiète pas, on juge pas. Oh, Mystery! Oh, Mystery! Non! Mystery qui offre 5 abonnements. Ah bah tiens, Vodka, Vodka qui est un habitué du live. À Ougearx, à Artium, à Bartaba et à Mozafok. Motherfuck! Merci Mystery. Alors là, les gars, embrassez-la lourdement. Mais lourdement, des beaux bisous sur les joues de Mystery. Nice, Mystery qui régale de ouf. Hey, Mystery. Alors, Mystery, pour ceux qui connaissent pas, c'est une joueuse de Summoners War qui est dans la guilde Reroll dans laquelle je suis, que je lead. Et c'est ma vice-leader. Donc, vous voyez, en termes de privilège, elle est le haut. Faudrait que je lui mette d'ailleurs le statut VIP. Elle mérite. Et à 225 subs, on offre, comme j'avais dit, hein, le pack quotidien Summoners War numéro 2 pour vous remercier. On fait un petit sub goal. No prob. Ah, mais il faut le dire, Mystery. Quand les gens sont généreux, il faut le dire. Heureux les généreux. Allez, 115-20 Mystery qui nous reste. En tout cas, elle régale. Elle régale de ouf. Enfin, la semaine dernière, pareil, on a vu un sub train. Je crois qu'on a fait 30 subs dans la soirée, quoi. Il y a des soirées comme ça, c'est hallucinant. Et en plus, on est quasiment 400 sur le live. Oh, la première. Nice. Du coup, si tu fais 10 5 nats, tu prends 2 packs. Si je fais 10 5 nats, j'offre un pack. Si ce soir, en comptant ma summon, on fait 10 5 nats, j'offre un pack à 110 balles. C'est cool. Du coup, le dernier, c'était Okeanos. Ouais, le dernier, c'était Okeanos. C'est cool, les gars. Je le dis. Ça sert à rien de toujours tout garder pour soi. Heureux les généreux. Mystery vient de nous montrer un peu un élan de générosité. S'il y a 10 5 nats, je file un pack à 110 balles. À 110, ouais. Le gros pack là que t'as sur le côté. Ouais, je file. Ah, ça m'arrive de payer des subs et tout. Ça m'arrive, les gars. Des packs, je pense que depuis le début des lives, j'ai dû payer pour 800 euros de pack. Ah, peut-être un peu moins. Peut-être 600 euros de pack. Sachant que sur mon compte, j'ai mis 300 balles. Comme je vous le dis. Merde, j'ai déjà pris. Bah, ce sera un autre pack à 110 où on attendra une prochaine fois, Panté, et je te le payerai une deuxième fois. Ok. Encore une étincelle. Yo, Andy, je viens de choper 2 étoiles légendaires sur Elune. Arslan et Baldur. Ils ne sont pas dans la liste. Baldur, il y est. Mais Arslan, il est moins intéressant, par contre. Baldur, c'est Baldur. C'est pas juste les mêmes traductions d'anglais en français. C'est con parce que Baldur c'est un beau DPS monocycle, mais il te manquerait une Reva derrière quoi. Tu vas voir, il va call 11 5 nats, c'est pas 10. Oh pas du tout, alors ça c'est pas du tout Lolo. Tu me connais mal là, tu me connais mal honnêtement. Et on retient que nous les modos on a rien, on a droit à rien. C'est qui a vu la tablette? C'est pas toi? Non c'est Annie je crois, je sais plus. Drana, toi t'avais eu... Ah d'ailleurs, si j'ai redéplace VIP pour les SWC 2019, direct... Direct je donne. Allez, plus que 6. Non, plus que 7. On a eu que 3 5 nats, les gars. N'essayez pas déjà de gratter. Je vois venir. Essayez déjà de gratter. T'as déjà le droit d'être modo. T'imagines? Genre, non mais mec, ferme un peu ta gueule. T'as déjà le droit d'être modo, donc à un moment, tu respectes aussi ton statut. Tu es déjà au-dessus de la plèbe. Tu devrais déjà être content d'avoir le droit d'appuyer sur le bouton pour ban les gens. Une tablette pour tous les viewers? Non. Non, non, je vais essayer de voir s'il n'y a pas des packs VIP pour les SWC 2019. La dernière, c'était Amazon qui les avait call. Enfin, il y a 2 ans, c'était Amazon qui me les a filés. Je vais voir si je peux pas en récupérer plus. En tout cas, j'ai hâte de... J'espère qu'on va se voir au SWC 2019. Donc, ce sera à Paris. Ce sera le 23 octobre, je crois. Si j'ai pas de conneries. Chakram, ça compte comme un 5 nat? Non. Et en plus, c'était pas une chakram, c'était une boomerang. Bien cool, bien cool. C'est rare de voir les modos non-sub, en vrai. Ça arrive... après,
financièrement parlant, je peux comprendre que de temps en temps ils ont pas. Après, quand je vois ça, j'essaye de payer les subs. Je vais lui payer son sub à Drama, quand même. Et merci Drink. Ah, attends, il faut que j'aille sur Twitch. Il faut que j'aille sur Twitch pour lui payer. Sinon ça va, déconne. Ah merde, ça m'a niqué mon chat. Ah relou. Comment je fais pour annuler? Ah, fait chier. Je suis là très peu de temps en ce moment. C'est vrai aussi. Je mérite pas. Bon, comme tu veux. Mais là, ça déconne en plus. Faut que je le fasse. Faut que je le fasse en plus. Et merci, Panthéral. Ah, mais je vois plus le chat. C'est bon. Je vois le chat. Et du coup, merci, Panthé. Bah, et voilà, Panthé l'a fait, Adrenor. Merci, mec. On allait le faire. Attendez. Ah non, Emos c'est un 3 étoiles. J'ai eu peur. J'ai eu peur que j'ai vu un fake 5 nat sur un moment. Un moment de doute. Un petit moment de doute. Et en tout cas, merci pour les subs, les gars. Merci, même les filles aussi, Mystery, bien entendu. C'est mieux en casquette. J'avoue, la casquette, c'est BG. Allez, c'est de 5 nat. Bene. Non. C'est Argen. Pas pareil. Aucune info sur les tours de la billetterie sur la SWC. Non, pas encore. Je pense qu'ils attendent que toutes les phases de stage soient finies. Oh là là, et on a eu combien de Kitsune ce soir? 3, 4? Oui, il fait 4. Ouais, il fait 4. Hein. À quand le code promo Wendy SWC 2019? Ah, faudrait que je propose quand même. Un moment, faut qu'on pèse dans le game, genre Shizu SWC 2019 et Wendy... Eh, c'est vrai, on veut notre code promo là. Voilà, je veux mon code promo. Je veux mon code promo à mon nom. Ça pèserait dans le game, ça. Déjà qu'on peut pas avoir son image comme chez Zou au début du jeu. Je suis un poil déçu. Parce que bon, bah, voilà, maintenant chez Zou, il travaille pour Come To Us, donc autant le retirer et mettre ma tête. Je déconne. Allez. Ça se mérite. Ouais, je vais à Berlin toutes les deux semaines. Encore un Covenant. C'est pas assez. Oh, le back-to-back. Ouh, deuxième fois qu'on a la guerrière boomerang, feu. Deuxième Maruna. Code promo Vélin Transcendance. Bah c'est le minimum. Honnêtement, quand t'as un code promo qui s'appelle Mr. Wendy SWC 2019, c'est un Vélin Transcendance. Ou une bénédiction. Un truc comme ça. Dit-il avec sa vieille tête de moustachos. Oh, c'est bon, les gars. Ça va. Il y a pire que moi, quand même, sur Terre. Il y a bien mieux, mais il y a pire que moi aussi. Rassurez-moi. À un moment, j'ai l'impression d'être le pire homme du monde. J'ai l'impression que dans une pièce, il y aurait des animaux, moi et une fille, et il faudrait repeupler les mondes, elle choisirait les animaux avant moi. Un VM pour tout le monde de la part de Wendy, ça colle un 5 nat direct. Ouh, un petit roi barbare, ok. Première fois de la soirée. Ou un Vélin Transcendance qui donne un doublon dans une, donc une béné. Ah, je sais pas. À quand un petit touche le coiffeur? Ah, fais gaffe, Elios. Fais gaffe. Là, il y a le ban qui va arriver. Comment perdre 2000 Gandhi en parieur? Bah, on va... je comprends pas. Faut que j'arrête de dire en vrai, là. Faut que je stoppe ce mot. J'ai l'impression de le dire tout le temps ce soir. Et il y a trop... trop d'étincelles. 60 étincelles déjà sur les vénères mystiques. Et il nous reste encore des vélins mystiques. Moi, j'imaginais aller à 40, 45 étincelles sur les vélins mystiques, pas plus. Je suis blindax perso. Ouais, mais ça, c'est Scream. Scream, il a un réseau de prostitution qui fonctionne bien en ce moment. En vrai, tu le dis pas tant que ça. Bah, arrête. Ah! C'est là où il faut qu'on fasse de la place. Là, c'est le moment un petit peu relou. Mais ok, tiers.
Ah, j'ai vu qu'il y avait 5 places restantes. Je régale. Qu'est-ce qu'elle a dit, Mystery? Une dictature, seule condition, tomber GB10, c'est pas trop 6 étoiles. Ouais, pas trop 6 étoiles au début. C'est vrai que la One Dictature est recrute, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le compte sur Sabah Europe. On compte les étincelles là aussi. Non. Exactement, on veut pas de gens trop avancés parce que c'est une galerie roll. Tu as raison, Mystery, de faire le taf de promotion et j'oublie toujours pendant mes lives de recruter. Alors que c'est vraiment le meilleur moment en plus pour recruter quoi, je suis un peu con. C'est quoi c'est qui la prochaine summon? Bah je sais pas, Fracanus, peut-être la tienne? Ok, nice. On va récupérer encore un petit peu de monstre 3 étoiles. Parce que là sinon on n'aura pas assez de place pour finir la summon. Un petit peu de place. Les plus gros comptes ont 7, 8, 6 stars. Ouais, c'est vraiment les plus gros comptes. Hein. C'est essentiellement parce que c'était des gens que je connaissais. Sinon, je les aurais pas pris. Ou peut-être Georgia. Georgia qui a aussi mis quand même un petit peu d'argent dans le jeu, ce qui lui a permis peut-être d'avoir. Il a quoi 4, 6 étoiles? Georgia, je sais pas trop. Petite question, j'ai un compte qui a 1000 jours de jeu, mais qui me sert à rien avec mes Wancho Vera dessus, possible de l'offrir à quelqu'un. Moi, je peux pas. Je peux pas parce que ça m'est interdit en fait, par Come to Us, le transfert de compte est interdit. Et bah déjà, je voudrais pas m'attirer les foudres de Come to Us. De deux, je suis pas partenaire avec eux, mais ça m'arrive quand même assez régulièrement d'être invité sur des événements. Là, je casse les SWC 2019. En logique, les summon sessions sont interdits, mais elles sont tolérées, donc ça passe. Mais le reste, je ferai pas. Mais le mieux, c'est quand même de rencontrer les personnes sur un chan. Si vous voulez parler avec nous, genre sur un 9877 ou sur un 9876 par exemple, pour les recrutements de guild, ce serait mieux, histoire qu'on voit un petit peu qui vous êtes. On met un petit peu ça au stockage. Ok. Là, il me reste 50 places en gros. 50 places. 50 places, il m'en fera encore plus que ça. On n'atteindra même pas les Dark and Light avec les 50 places. Allez, la bénédiction qui va proc pour le Feng Yang. C'est quand même fou parce que pour l'instant, sur chaque invocation, sur les bénédictions, on a toujours eu au moins un doublon qui était présente. Et sur la seule invocation 5 nat qu'on a eu sans bénédiction, c'est un doublon. Allez. Non. Agent Stone, Emma, c'est la première fois qu'on la voit ce soir. Oh, la summon session, elle aura duré une heure. Même plus. Ouais, c'est toujours comme ça sur les gros summon. Est-ce que t'as un élément de prédilection au tout début que j'invoque au cas où pour avoir la bénédiction, Roger? Ça, je vais faire un peu de place avant que tu me dises ça. Tiritech qui vient de tomber sur mon compte. GG. Ça va la Grèce? La Grèce? Pourquoi la Grèce? Cet homme est so smart. Ouais. Il voulait Feng Yang et Vela, donc I don't know. Bah ouais, c'est ça. Puis il voulait Bastet aussi. Élément vent, je veux Feng Yang. Ok. Ce qui m'a aussi parlé de justement de Bastet, donc... Mais au tout début, c'est pareil, si tu veux vraiment un type de 5 nat, autant aller faire tes bénédictions dessus.
sais pas si sur mon main j'irai pas faire d'ailleurs ça sur... Non, on voulait faire la place, on a dit. Et soit je drop Annabelle puis Diana en back to back. Mais Mystery a chopé Annabelle aussi tout à l'heure sur les pierres. Ça s'est mis bien là. On est en league game, je pense que ça va bien t'aider Mystery. Cherche des gens avec un Feng Yang en fait, en rep. Ok. N'hésite pas à donner ton pseudo. Ah, il va y avoir un skill up. L'erreur du débutant. Je suis en train de lire un petit peu le chat. Comment ça pour remonter le niveau? Ça veut dire quoi ça, Mister Valou? Le pack à 409 qui donne 10 d'énergie et max des cristaux 15 jours est assez cool. Ouais, c'est un bon pack. Non mais parce que faut qu'on en parle un petit peu, Mister Valou. Je t'aime bien, tu payes tes cheers et tout à chaque fois que tu viens. Faut qu'on en parle un petit peu là. Qu'est-ce qui se passe? À un moment, je fais un Kagebushin no Jutsu et j'invoque mes modos à côté de toi, tu vas te sentir mal. Parce qu'il y a Balou dans ton pseudo qu'on doit avoir peur tout de suite. Je sais pas du tout à quoi ils servent pour l'instant, Hunter, les doublons. Du coup, c'est qui après pour la summon? Bah, il y a Fracanus et il y a Rasgore qui voudrait, donc on va voir lequel est, a le plus envie ou lequel qui a pas de dispo après. Alors, est-ce qu'on ça va nous faire nous permettre d'avoir assez de place? Est-ce que ça va nous permettre d'avoir assez de place? Il nous reste combien de places là? Il nous reste 6, ça fait 80, il nous reste 46 places. 46 places, on n'aura pas assez. On va peut-être finir quand même par food. Par food des 3 étoiles pour faire des Arcémon. Allez, le Feng Yang! Non, c'est un barque. La première fois que je passe sur tes vidéos en stream, c'est cool. Good luck pour la semaine. Merci, Skies. Bienvenue. 62 étincelles déjà. Pff. Moi qui ai fait un call à 65, je suis tellement loin. Je suis tellement loin. Je suis un... Je suis bourré ou quoi? Capitaine Pirate aussi. On va peut-être avoir un galion derrière, du coup. Sachant qu'on l'a déjà tombé. C'est chiant de food avec l'éliminateur. Ouais, c'est un petit peu chiant à food avec l'éliminateur. En fait, même pour les summons en soi avec l'éliminateur, t'es un petit peu moins rapide. Mais le confort est beaucoup plus intense. Puis avec call 55, 55, putain, mais quand je vous dis que j'étais loin du compte. Non, j'ai pas encore summon sur mon compte, on va finir par le mien. Mais là, il est déjà 22h13. Oh, je vais dire à Madame Wendy que elle va pas se coucher, quoi. C'est mort. Moi aussi, je suis dispo et chaud. Ok. Vous voulez vraiment me faire payer le pack à 110 balles? Dans tous les cas, ma summon, je la commencerai pas après 23h15. Parce que 23h15, ça me semble un peu compliqué. Je pense que j'en ai au moins pour 40 minutes sur la mienne. Donc ça fait un minuit. Et merci pour le sub. Yes. Krigaya Kazuto. Krigaya Kazuto. Merci en tout cas pour le sub. Bienvenue dans la bonne dictature. Et on a fait un plus 21 aujourd'hui. En plus on a fait le live cet après-midi. Donc ça c'est nice. Très 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 content. Bon, maintenant, on va falloir qu'on fasse du food. On va être dans la partie chiante. Je suis désolé. Je vais te... Est-ce qu'on a un vélin mystique? On va aller dans le craft. On va faire des Arcémon. Morche peau.
Allez, allez, allez. J'espère que ça va aller pour les 5 nats. Stylé ce petit Batman. Très stylé. Très stylé ce Batman. Il a ça, il a aussi écrit Gotham City. Donc non, non, franchement, son île est stylé. Il faudrait peut-être plus de violet encore. Des petits arbres violets, là. Pour aller dans le thème. Bon, faut que je fasse de la place. Il est où? Son nouveau bâtiment. Il est là. Prédit Cerbère. Il y en a pas mal qui pensent au Cerbère. En effet. Il y en a pas mal qui prédit les Cerbères en ce moment. Parce qu'ils sont faciles à avoir. Enfin, ils sont faciles à avoir. Si, ils sont faciles à avoir. Entre autres, le feu et tout. Sub toujours privilégié. Bah, les subs, apparemment, plus de chance. Hein. Plus de chance dans les 5 nats. Euh, 18 places, c'est pas assez, on a juste les légendaires là. On va recrafter. Les halls aussi. Hall, ça pourrait être bien, honnêtement, avec les Lulu et tout que pas mal de joueurs en League Game jouent. Ça pourrait être pas mal du tout. Après, Tark, j'ai hâte de voir ce que pourrait donner comment ça s'appelle? Un Cerber Dark. Et même les Tark, j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner. Parce qu'ils étaient joués quand même, ceux-là, à un moment. Loup-garou, 100% je call. Alors, un up loup-garou sur Eshir Jultan. Mec. Vivement un Toa L avec les monstres double wake. Les griffons, ouais. En vrai, il y a encore pas mal de choses. Je pense que pour les prochaines rotations, on n'aura pas trop de problèmes. Même les hauts élémentaires. Hauts élémentaires, il y a possibilité parce que les hauts élémentaires, on peut les récupérer dans le scénario. Mais un up Kali. Wow. Un up Shren. Qu'est-ce qu'on va choper là-dessus? Plus Kali, c'est totalement farmable. Ils vont aborder un thème différent, forcément. On n'est pas sûr là-dessus. Hein. Franchement. Ouais, Harpy, Harpu, il y a du monde aussi qui faisait scroll. Moi, je suis pas forcément emballé par les Harpy, Harpu. Parce que dans les harpies, il y en a déjà pas mal qui sont jouables. Dans les harpues, il y a aussi des trucs qui sont jouables. J'ai peur que ça devienne no brain. Les twins double wake. Ah oui, toi t'es dans le futur quand même, mec. Allez, normalement, je pense que là, en termes de place, ça devrait être bon. Il y avait Rad qui surveille le storage. On a 5 places encore à faire. Ok, good. Je sais pas si c'est une playlist que j'écoute. Enfin, c'est une radio même. 22... Ah non, on n'a pas assez de place encore. Sérieusement? Fouah, le compte. Le compte, il y a trop de choses à faire dessus. Énorme le compte. Je pensais pas qu'il y en avait encore autant. J'essaie de regarder là où il y a pas mal de doublons. Pour éviter au cas où, s'il voudrait. Si on a un double wake et qu'il se dit ah bah merde, finalement j'en ai pas du tout. Donc on essaye d'être un petit peu smart là-dessus. Putain, on fait du food là. On en détruit 3 à chaque fois. Ça représente quand même une belle petite tripotée de. Moi je pense à un deuxième Awake Bernard. Ouais mais deuxième Awake Bernard, encore une fois, qu'est-ce que tu fais? Je pense que son sort de speed, tu le changes pas. Ça c'est sûr et certain. Mais derrière, qu'est-ce que tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais derrière? Enfin Bernard sur le sort... sur le sort 2, et break def plus break attack, mais tu rajoutes quoi encore? Enfin j'ai l'impression... Enfin je trouve que le kit de Bernard pour l'instant il est bien. Si, si, je les ai mis au storage. Je pense.
Et là on va avoir assez de place, on va mettre cela. Dégâts en fonction des PV de l'ennemi. Non, il fait déjà des dégâts en fonction de sa vitesse. Tu peux pas faire dégâts en fonction de sa vitesse plus en fonction des PV de l'ennemi. Speed de base supérieur. Non, ça non. Allez, là on va avoir assez de place pour Summon. Si tu peux buff attaque 3 sur skill 3. Genre un mélange entre une Mégane et un Bernard. Le monstre trop fort. Rien que ça. Peut-être les Amazones. Amazon ça pourrait être cool. J'aimais bien certaines Amazones. Bon. On n'a pas eu de 5 nats sur les dernières RVM. Non, potentiellement, on a envie d'y croire sur les Dark and Light. Et je pense que Roger a vraiment, vraiment envie d'y croire. Normalement, on a un quota de Dark and Light pour avoir 2 étincelles. Dans les statistiques, on y croit. Hier, on a drop Alexandra sur mon reroll. Maître Yves, c'est pas mal. C'est un bon jouet. Si les maîtres Yves prennent un up, ça va être monstrueux. Ok, homme lézard. Pas d'étincelle pour l'instant. Pas d'étincelle. Go choper Panda Dark. Panda Dark, c'est pas mal. C'est pas transcendant, meaning. Mais depuis son up, ça fait de lourds dégâts quand même. Mais je pense qu'un Panda Light reste au-dessus. Malgré, en fait, le Panda Lark, il s'est pris un nerf. Et après ils se sont dit, oh on l'a trop nerfé, du coup ils lui ont mis un up dans la gueule. Allez. Là ce serait bien de choper la première étincelle. Ouh. Oh allez, l'étincelle. Je suis pas bien là. Je suis pas bien parce qu'on a attaqué la deuxième moitié sans étincelle. Uch. Non, 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 mais s'il vous plaît, me faites pas un truc genre une étincelle pourrie ou pas d'étincelle. Hein. Oh, ah. La summon. Juste sur un truc comme ça, tu peux te tirer une balle. Vagabond, double wake, Jubel deviendrait trop fort avec le up de stats. Mais c'était il y a que 3 semaines qu'on a invoqué Artamialisis. Oh la vache. T'as cassé la stone. Hein? Oh. Il y a que 6% pour les Dark and Light. Bah ça fait 1 sur 14 je crois. Le poney dark c'était sur mon compte. Oh non. Ah je suis blasé de ouf. Ah je suis blasé mec. Oh non. Je suis blasé de ouf. On joue belle parce que c'est farmable. Faudrait que je fasse une place. Ah non, Roger, je suis deg pour toi. Ah non, franchement, autant de Dark and Light et pas une étincelle. Ah, je suis trop triste pour lui. Allez, un Taurus. Un Zibro. C'est pas grave, t'inquiète. Ah, oh, ça me saoule. Oh là 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 là, mais il méritait tellement son étincelle sur le Dark and Light. Il avait un compte où il pouvait en avoir 2. KFG Light ou O pour Red. Les deux sont très bien. Donc t'as pas de mauvais choix. Oh. Lee Kame Wong. C'est pas un des 5 nats que tu voulais. Ça reste un nouveau 5 nats. Donc on est à 1 5 nat du rush pack pour moi et on est à 6 5 nat du pack à 110 balles. GG en tout cas, j'ai envie de croire limite que je préfère. Oh, je sais pas, en vrai les deux sont jouables. Les deux sont jouables. J'ai ni l'un ni l'autre. Alors,
Mei Wang peut servir en raid et RTA. GVG aussi. Leika, ça se joue GVG, entre autres. Là, il va vraiment avoir deux personnes. Il va avoir les personnes qui vont dire Mei Wang et les gens Leika, parce qu'ils se valent. Leika, ce qui est très fort, c'est que sur le sort 2, t'as deux, que deux tours de cooldown, ça fait beaucoup de dégâts. Garou est supérieur à Leika. Oh, c'est différent, Rose Payday. Mon Leika, il fait un 41k, 42k tous les deux tours. Donc, je suis pas... Enfin... Enfin, personnellement, mon Garou, il fait pas 42k tous les deux tours. Et encore 42k, et mes runages sont un peu moins bien. Mais Mei Wang est cool. Mei Wang est cool aussi. Hein. Il peut pas se faire contrôle. Donc, sur certains, par exemple, sur certains GVG, ça peut être très sympathique. Roi Singe RTA, un petit de moins en moins, mais ça se joue, ouais. Roi Singe. Pas oublier qu'il a son passif, le Roi Singe. Il gagne limité contre les effets d'incapacité, mais surtout, sa puissance d'attaque augmente de 20% à chaque fois qu'il est attaqué. Ça, c'est cool. Le nerf Leika lui a fait vraiment du mal. Roi Singe pour le Red One. Ok. C'est noté. Aïe 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 aïe. Allez, on continue là-dessus. J'espère encore un 5 nat. Leika, c'est pas qu'il ignore les éléments. Il peut pas glance. C'est différent. Et c'est pas mal, mais c'est différent de ce qu'on pouvait faire avant. Je pense que je vais finir un peu tard. Bah, plutôt vers minuit, je pense. Bonne nuit. Citrouille d'Halloween. Un Jean Bomber. Parce qu'on a eu les bombeurs juste avant. Ok, Pierrette. On veut ou des jumelles ou un nouveau 5 nat. Il peut pas se faire OS tout. Il peut pas se faire OS. Ça dépend. Enfin, il peut se faire OS. Il peut pas se faire OS par un gars monocide. Avant son nerf, il faisait plus de dégâts sur le sort 1 sur la Revenge. Et il avait la possibilité de stun sur une Revenge. Donc il a perdu 30% de dégâts sur la Revenge sur le sort 1. Et il a perdu le stun sur le sort 1. Ce qui était trop fort. J'avoue que c'était pété. Bonne nuit, Fafa. Allez, encore un. Cannon Girl. Oh, surtout pas une Cannon Girl vent, s'il vous plaît. On peut pas faire le compte du nombre de citrouilles qu'il a drop. J'en ai mis au stockage, donc on peut pas trop. Allez, 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 pour le dernier. Non, un Anubis. T'inquiète, Chiyu, il OS le bro Leika. Ah oui, totalement. Mais c'est pour ça que Leika, il est plus joué en défense. Je sais pas si tu voulais faire les pierres. Je pense pas. De toute façon. Bon, bah GG. GG, 4-5 nat. 4-5 nat, dont un qu'on a foutu pour avoir une bénédiction. Ce qui nous a permis d'avoir ici un Chiyu. Un Chiyu, pas du tout, hein, mais Wang. Avec un total de 82 étincelles. Pas ouf du tout, la Summon. En vrai, Nikan, 82 étincelles. Hein. 82 étincelles. on est pas mal. Ce qui... Elle est si mauvaise que ça, le Cannon Girl Vent. Ouais, elle va se faire buff. Non, là où on a eu... par contre, pas de luck, c'est sur les étincelles du Dark and Light. On est un petit peu déçu. Il aurait mérité d'avoir deux étincelles sur les Dark and Light. Il n'en a eu aucune. Et ça, c'est nul. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment nul. En tout cas, je te rends ton compte, Roger. Merci encore beaucoup pour la Summon Session. Bah, t'as du taf, hein. T'as du taf, mais c'est vrai que moi c'est plutôt le Dark and Light qui me reste en travers de la gorge pour Roger.